suis donc Sarah Dayan, responsable du pôle climat de l'établissement national du comité 21. Et donc j'ai le plaisir d'ouvrir ce webinaire aujourd'hui donc sur les enjeux d'adaptation liés à l'eau et que nous avons donc co-organisé donc avec l'Institut de recherche de la Caisse des dépôts, que je remercie de nous avoir proposé d'organiser ce webinaire. Pourquoi est-ce qu'on a choisi, enfin pourquoi est-ce que cette thématique nous paraissait particulièrement pertinente? Je ne sais pas si tout le monde ici connaît le Comité 21, mais on est un réseau multi-acteurs qui réunit des collectivités, des établissements d'enseignement supérieur, des entreprises, des associations et des citoyens. Et on les accompagne sur un certain nombre de problématiques et la question de l'adaptation en fait partie depuis 2017. On leur propose un certain nombre d'ateliers et en fait, dès le départ, on a identifié la question de l'eau comme étant centrale quand on parle d'adaptation, enfin quand on parle de dérèglement climatique de manière générale. Déjà parce que c'est un élément qui est extrêmement perturbé par le dérèglement climatique, mais aussi parce que l'eau est tout simplement vitale, on en dépend énormément, elle est partout dans nos vies, on en a besoin pour se nourrir, on a besoin pour se vêtir, toutes les industries, quasiment même toutes, je pense, dépendent de l'eau. Donc voilà, c'est un sujet qui, quand on parle d'adaptation, est absolument central. Et en plus, il est d'actualité. D'une part, le rapport du GIEC a été publié fin février, qui est le deuxième volet de ce sixième rapport, a porté justement sur les questions d'impact, de vulnérabilité et les enjeux d'adaptation. Et si vous y jetez un coup d'œil, je ne vais pas revenir trop longuement dessus, mais la question de l'eau y est centrale. Et en ce moment même, se déroule aussi le forum de l'eau, le 9e forum de l'eau à Dakar, qui réunit tous les acteurs concernés, publics, privés, autour et ONG, autour de ces enjeux-là, pour essayer de trouver des réponses aux défis de l'eau. Donc voilà pourquoi cette thématique est très importante. Avant de vous présenter le déroulé de cet après-midi, je vais du coup donner la parole à notre partenaire, l'Institut de recherche de la Caisse des dépôts. Donc, Isabelle Levdier, c'est à vous. J'ai une image figée. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Sarah. Je suis désolée, l'image est figée, mais est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup. Ben, merci pour, en effet, vous êtes rejoint à nous pour l'organisation de ce webinaire. Hein. Vous avez vraiment pris en charge. Merci infiniment. Je rappellerai juste rapidement, après ce que Sarah vient de dire sur le contexte général, hein, bien sûr, que nous, auquel enfin, nous abondons tout à fait. Rappeler simplement que ce webinaire aujourd'hui sur les enjeux de la ressource en eau s'inscrit dans un cycle adaptation au changement climatique organisé par l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, donc en partenariat avec les think tanks, donc aujourd'hui le comité 21. Et nous avons également organisé des séminaires avec la Fondation pour l'innovation politique, Terra Nova, la Fondation Jean Jaurès et la Fabrique écologique. Donc, on le retrouve sur le programme. Et c'est également un sujet pour nous important en interne, puisque c'est une réflexion stratégique, en particulier pour la Banque des territoires, qui réfléchit sur la façon dont elle peut répondre à des nouvelles problématiques liées à l'adaptation au changement climatique. Donc, dans le cadre de ce cycle, nous avons abordé différents risques. Hein. Nous avons démarré en mars dernier, ça fait même un an exactement. Nous étions sur la chaleur en ville. Nous avons parlé du secteur des assurances, comment les assureurs sont impactés par la montée du risque climatique. Un sujet sur les circuits courts et tout ce qui est écologie industrielle avec la Fondation Jean Jaurès à Marseille. Le risque littoral, c'est-à-dire le littoral face au réchauffement climatique à Noirmoutier avec la Fabrique écologique. Le risque inondation à Nîmes avec Terra Nova. Et nous avons organisé, comme nous avions organisé celui sur la chaleur, un sujet moyenne montagne, donc comment la moyenne montagne est impactée par le réchauffement, avec l'exemple des Vosges. Hein, nous étions à la Bresse, dans les Vosges. Voilà, donc on a effectivement essayé, sur cette année 2021, de mixer des webinaires et des séminaires en présentiel dans des territoires particulièrement impacté par les nouveaux risques climatiques. Voilà, donc ce séminaire adaptation va bientôt se terminer en termes de, je dirais, de webinaire, hein, puisque nous avons aujourd'hui
l'eau, les enjeux de la ressource en eau, les conflits d'usage de l'eau. Et nous avons encore une dernière séance à venir au mois d'avril, le 21 avril matin, sur la forêt, sur l'impact du réchauffement climatique sur la forêt. Voilà, donc nous sommes ravis d'avoir aujourd'hui cette avant-dernière session. Et nous aurons ensuite tout un travail de capitalisation de tous les travaux menés à l'occasion de l'organisation des séminaires. En tout cas, merci beaucoup au Comité 21 et merci à l'ensemble des intervenants qui ont accepté d'intervenir cet après-midi. Merci beaucoup Isabelle. Donc, je vais vous présenter rapidement un petit peu le déroulé de cet après-midi. Donc, on va commencer donc par une présentation d'Emma Aziza qui va poser l'enjeu. Nous dire quels sont les principaux enjeux à la fois au niveau global mais aussi au niveau local liés à la ressource en eau. Ça permettra d'être tous à niveau. Et puis ensuite, on aura plusieurs interventions en commençant par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et d'autres intervenants que je vais vous montrer qui vont vous présenter comment est-ce que les acteurs vraiment sur les territoires agissent pour répondre à différentes problématiques qu'ils peuvent rencontrer par rapport à la ressource en eau. Donc, je ne vais pas rentrer, je représenterai chaque intervenant avant les interventions. Je ne vais pas rentrer dans le détail et je voudrais qu'on commence bien à l'heure. Donc, je vais donner, juste avant, pardon, vous dire que je co-anime ce webinaire donc avec William Lung, qui fait partie du Comité 21 Grand Ouest. Donc, si on a des participants qui viennent des Pays de la Loire, de Bretagne, etc., on est ravis aussi de vous accueillir. Donc, on va animer ensemble ce webinaire. Je donne la parole à Emma. Emma Aziza, si vous voulez bien nous dire un petit mot pour voir déjà si on vous entend bien, parce que j'ai l'impression que votre image est figée. Bonjour à tout le monde, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Bon, votre image, Mon image est figée. Enfin, en tout cas pour moi, mais ce n'est pas bien grave. Est-ce que ça fonctionne? Voilà, là c'est bon. C'est bon, c'est revenu. Ok, parfait. Bonjour à tous. Alors effectivement, aujourd'hui, on m'a demandé d'exposer un petit peu la question du risque sécheresse, plus particulièrement en lien avec la question de la ressource en eau, et pour comprendre finalement comment est en train de se mettre en place ce risque sécheresse, puisqu'on a le risque que l'on connaît de sécheresse historique avec une variabilité naturelle du climat. On a toujours eu des sécheresses extrêmes, que ce soit en 1976 avec la sécheresse qui avait engendré un impôt sécheresse et demandé à mettre l'argent à la poche de tous les Français. Mais au-delà de ça, on a même eu, par exemple, une sécheresse historique en 1303 où on traversait le Rhin à pied. Donc, on voit bien qu'on a toujours une variabilité climatique naturelle avec des extrêmes. Et là, on est en train de sortir de cette variabilité climatique. On est clairement sur une nouvelle tendance et une tendance avec un certain nombre de paramètres qui rentrent en jeu et qui se retrouvent chaque année plus ou moins présents, mais qui sont là et qui nous montrent en réalité qu'on est en train de basculer sur un nouveau modèle avec cette tendance très marquée. Et donc, je vous propose de revenir un petit peu sur ces quelques dernières années, sur la manière dont les sécheresses se sont imposées en France, et montrer qu'à quel point on était sur une somme de signaux très faibles, et finalement, qui deviennent aujourd'hui des avertissements assez concrets des projections climatiques futures que l'on pourrait avoir. Donc, la première sécheresse extrêmement marquée qui va s'imposer sur le territoire va démarrer surtout à partir de 2017. On sent une cassure entre 2014 et 2017, mais 2017, on va avoir des villes en France qui n'ont pas une seule goutte d'eau jusqu'à à peu près fin décembre. Et donc, on a un déficit pluviométrique extrêmement important et on va basculer la semaine qui suit sur les inondations de la Seine avec une France particulièrement arrosée durant 3 semaines. Donc, en réalité, quand on démarre 2018, on se dit que 2017 est finalement une année qui est passée, une année certes historique en matière de sécheresse, mais qui finalement ne marque pas tellement les esprits parce qu'on se dit qu'on est passé à autre chose. Et étant donné qu'on va avoir une excellente recharge des nappes durant la période de recharge de 2018, en fait, on démarre le printemps assez sereinement.
Et donc ça, c'était sans compter le fait qu'on débute l'été et on va se retrouver avec 16 jours de canicule qui vont durer du 24 juillet au 8 août. Et ces 16 jours, en fait, vont refaire basculer le territoire dans un état de stress hydrique avec différents niveaux de sécheresse, des sécheresses au niveau des sols, mais le tout va s'accroître avec des déficits pluviométriques et donc on va se retrouver notamment avec des sécheresses de plus en plus marquées, des niveaux d'étiage donc de rivières assez bas et puis surtout des nappes qui commencent à être touchées. Et donc en 2019, c'est un peu similaire, c'est-à-dire qu'on démarre l'année en se sentant un petit peu finalement assez serein parce qu'on a à peu près 512 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent en France chaque année. Donc, on est quand même sur un climat tempéré. Donc, on est quand même assez serein quand on démarre le printemps. Et là, on se rend compte que 2019, le mois de juin, on a ces 42 degrés sur Paris, ces 46 degrés dans le Gard. Et donc, cette sécheresse va mettre en évidence quelque chose de nouveau. Enfin, là, c'est une canicule qui va refaire basculer le système dans une sécheresse. Et pour la première fois, ça nous met face à quelque chose qu'on avait découvert lors de la canicule de 2003, c'est que cet état caniculaire nous confronte aux besoins d'adaptation de nos bâtiments, puisqu'on va reporter l'épreuve des brevets. Donc, on va se retrouver finalement avec un système qui est absolument qui est en maladaptation parce qu'on n'est pas capable de gérer ce type de température. Et bien sûr, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, autant sur le plan agricole que sur le plan énergétique, avec notamment des niveaux d'étiage extrêmement bas, donc toutes les centrales hydroélectriques, etc., qui vont commencer à finalement subir cet état caniculaire. Et donc, voilà, 2019, c'est assez intéressant comme année parce que finalement, c'est l'année un peu typique qu'on pourrait retrouver dans les années à venir. On va avoir moins 70% de pluviométrie, des sols qui s'assèchent. On va avoir à peu près 20 départements qui vont avoir des problèmes d'approvisionnement en eau et 85% de départements qui vont se retrouver en restriction sévère. Et donc, ce qui est intéressant dans cette analyse, c'est de comprendre à quel point un risque qui nous semblait quand même très très loin, c'est-à-dire le fait qu'on puisse manquer d'eau dans nos robinets, finalement va arriver beaucoup plus rapidement que ce que l'on aurait imaginé. Donc, alors tout ça est très clairement lié notamment au fait qu'on va avoir des anomalies de température avec des records historiques de température. Sur l'année 2019-2020, on a 16 mois consécutifs de records historiques de température. Et donc, quand on regarde ces trois années, 2020, 2018, 2019, on a les trois années les plus chaudes jamais recensées en France. Donc, alors je n'ai pas de support pour tous ces chiffres annoncés très vite, mais je pourrais vous en redonner si vous le souhaitez. Je commence à voir les commentaires. Donc, en fait, tout ça pour vous dire, et c'est, je pense que c'est juste ça qui est important, c'est que comprendre qu'on a trois années historiques en termes de température, qui dit augmentation des températures dit nécessairement augmentation du flux d'évaporation. Si vous rajoutez à ça des sols avec des vents très secs qui vont finalement faire un effet un peu de sèche-cheveux, et donc dans une phase de reprise de la végétation, on va se retrouver dans la phase printanière avec finalement de l'eau qui va partir beaucoup plus vite et des territoires qui vont basculer beaucoup plus rapidement dans un état de stress hydrique. Donc voilà, je pense que c'est intéressant de regarder ce qui se passe en France parce qu'on a un peu l'impression que la France est assez bien lotie. Je vous parlais des 512 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent. Alors en sachant que sur cette eau qui tombe, il faut savoir que déjà 65% repartent immédiatement dans l'atmosphère. Alors, on en a à peu près 26% qui ruissellent. Et on en a seulement 9% qui s'infiltrent dans les nappes. Donc, le fait que l'eau puisse s'infiltrer dans les nappes est quand même quelque chose d'extrêmement complexe, surtout sur des territoires de plus en plus anthropisés ou imperméabilisés, que ce soit sur le plan agricole ou que ce soit sur le plan du développement et de l'accroissement des villes. Donc,
Donc voilà, sur les 270 000 km de cours d'eau que l'on a en France et les 65 000 aquifères, on va se rendre compte que toute la France va être concernée. Certaines zones en France vont être plus touchées certaines années que d'autres. Je pense par exemple à l'Aquitaine qui va être touchée par une sécheresse extrêmement sévère en 2018, alors qu'en 2019 et 2020, on va avoir plutôt des températures, une pluviométrie très marquée dans cette zone. On peut noter aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est que, et peut-être c'est loin d'être assez étudié, mais c'est cet effet, vous savez, quand on a cet effet qu'on appelle de continentalité, c'est-à-dire que lorsque vous avez une pluviométrie qui arrive sur le pourtour atlantique, cette pluviométrie qui pénètre dans les terres et qui permet, par exemple, d'avoir des précipitations sur Brest, fait que par des boucles de rétroaction du cycle de l'eau, ça va permettre ensuite de faire avancer ces pluviométries dans les terres et ça permettra ensuite d'avoir des pluies sur Strasbourg. Et donc, on se rend compte sur ces dernières années que, étant donné qu'on a été sous des conditions très anticycloniques, et non pas dépressionnaire, au lieu d'avoir des apports qui viennent de l'Atlantique, on va au contraire avoir tendance à perdre notre eau, puisque du coup, ça va tourner dans le sens inverse. Et donc, en fin de compte, les masses d'air humide vont plutôt partir du continent en direction de l'océan Atlantique. Et donc, on va avoir le Grand Est qui va se retrouver avec des déficits très marqués en termes de niveau piézométrique, donc de niveau des hauteurs des nappes phréatiques, et surtout, ça va se ressentir notamment sur l'ensemble du réseau hydrographique, que ce soit les rivières, les affluents. On va retrouver beaucoup de niveaux extrêmement bas, voire à sec. Donc, voilà un petit peu pour vous raconter de manière un peu large, finalement, ce qui se passe dans ces grands enjeux au niveau français. Alors, pour avoir peut-être une petite touche de ce qui peut se passer ailleurs dans le monde, je peux évoquer un petit peu un autre sujet qui est intéressant dans cette évolution mondiale des températures et dans la manière dont on voit ce cycle de l'eau se dérégler complètement. Je crois qu'il y a un micro ouvert, je ne sais pas si... Oui, je sais pas si tous les participants peuvent bien typer leur micro, sinon je vais le faire pour eux, mais si vous pouvez veiller à que ce soit le cas. C'est bon? Donc. Attendez, je vais trouver la personne qui a le micro ouvert. on vous entend, mais c'est vrai que... Vous m'entendez bien? Bon, donc voilà. Ce que je voulais surtout essayer peut-être d'évoquer, c'est d'autres cas à travers le monde, parce que ce qui se passe à travers le monde est assez intéressant. Et on a déjà des pays, on le voit, puisque aujourd'hui c'est quand même extrêmement médiatisé, que ce soit l'Australie qui a vécu des sécheresses historiques et des feux, des méga-feux, et puis ensuite dernièrement des méga-inondations, que ce soit la Californie. On commence à arriver un petit peu au bout d'un système, et la Californie est très intéressante en ce sens, parce qu'on voit très bien qu'on a des nappes phréatiques qui ont été soutirées massivement, à tel point qu'en Californie... Alors, je sais pas, parce que je pense qu'il y a un micro ouvert, du coup, vous devez voir peut-être autre chose sur l'écran. Du coup, je crois que je n'apparais plus. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Si, on vous entend toujours. Pour le coup, il n'y a plus d'interférence. Et enfin, moi, en ce qui me concerne, je vous vois. Ah oui, très bien. Okay. Ouais. Et donc voilà, simplement pour vous dire que ce qui est intéressant là-bas, c'est qu'on a des affaissements, par exemple, de routes de l'ordre de 30 cm par an, en raison du fait qu'on va aller soutirer massivement dans les nappes. Et donc, quand j'ai creusé un petit peu la question, j'ai découvert que la plupart des grandes exploitations fermières, les plus grandes en fait de Californie, sont principalement dirigées par des pétroliers, donc notamment Exxon et des fonds de pension américains. Et donc, ce qui est assez intéressant,
c'est de comprendre que le mindset, la manière de penser finalement l'extraction de l'eau là-bas, s'est faite de manière assez similaire au pétrole. Et on se retrouve aujourd'hui avec une vallée centrale en Californie qui est complètement à sec, avec l'année dernière encore des cours d'eau sur la Sierra Nevada où il n'y avait quasiment plus d'écoulement. Et on va forer toujours un peu plus profondément ces nappes phréatiques. Et donc, on se retrouve avec des petits fermiers qui, eux, n'ont plus d'accès à l'eau potable. Parce que du coup, leur niveau de forage est pas assez profond. Et donc, on se retrouve un peu sur un espèce de concours. On va le plus loin possible pour courir le plus vite, si vous voulez, dans un mur. Et donc face à l'augmentation des degrés et des températures, on se rend compte que c'est un jeu dangereux d'aller exploiter nos nappes phréatiques, parce que justement, c'est ce qui permet la création de cet équilibre, parce que vous le savez, j'ai vu qu'il y avait des hydrologues notamment qui écoutaient, mais bon, on a toujours une interaction entre les nappes phréatiques et les rivières superficielles. Et donc, c'est bien souvent quand vous voyez de l'eau qui s'écoule dans nos rivières, en réalité, alors qu'il ne pleut pas, c'est vraiment un jeu de bascule et de drainage qui vont se dérouler entre les nappes phréatiques et les rivières souterraines. Et donc, le fait de permettre cet apport, en fait, il est absolument essentiel. Et donc, pour revenir à la France, c'est une vraie question aujourd'hui. L'exploitation des nappes actuellement pour derrière des territoires qui se retrouvent être dans des phases de sécheresse extrêmement importantes et qui cherchent des solutions. Et je vous parle de ça parce que, justement, avec l'ouverture du Forum mondial de l'eau à Dakar, il y avait un sujet qui était de dire, mais finalement, on a une solution pour les sécheresses. 99% de l'eau potable disponible est située sous nos pieds. On n'a qu'à aller chercher massivement l'eau sous nos pieds. Elle est là, elle est accessible. Et donc, ça peut être très vite mal traduit. On a l'impression qu'on redécouvrait qu'on avait des nappes phréatiques, alors qu'en réalité, quasiment toutes les nappes phréatiques dans le monde sont surexploitées. Surexploitées à un tel point qu'on a aujourd'hui en Inde, par exemple, de vraies problématiques d'empoisonnement à l'arsenic, qui serait une des premières causes mondiale de diarrhée infantile, avec presque 5 millions de victimes par an. Donc, on voit que l'exploitation des nappes a toujours été présente. Par contre, sa préservation l'est beaucoup moins. Et là, ça nous interroge sur cette question du cycle de l'eau, parce qu'on a toujours eu la même quantité d'eau sur Terre. Et quand on se pose la question, on peut se dire, mais finalement, est-ce qu'on va réellement manquer d'eau? On est une planète bleue, et très clairement, même si on ne peut pas exploiter l'eau océanique aujourd'hui en tant que telle, bien que cela commence avec la désalinisation, je reviendrai dessus, on a toujours la même quantité d'eau sur Terre depuis des millions d'années, puisqu'on en a un peu en apport de comètes au niveau atmosphérique, on va en perdre un peu en haute atmosphère. On en repère dans les zones de subduction entre les plaques et on en regagne dans les zones de dorsale océanique. Donc, on voit qu'on a des quantités d'eau d'ailleurs deux fois plus importantes que nos océans à l'échelle de notre manteau inférieur. C'est comme si on avait la quantité d'eau de deux océans sous terre. De l'eau, on en a partout. Par contre, effectivement, on en a de manière complètement disproportionnée avec des géants de l'eau d'une part et avec des zones désertiques de l'autre. Donc, on se retrouve en fin de compte avec tous ces équilibres. Mais dans ces équilibres, vous avez en fin de compte des réservoirs. Et par contre, cette eau, même si elle reste en même quantité, elle va basculer d'un réservoir à l'autre. Et donc, ce qui se passe actuellement au niveau planétaire, c'est que les eaux qui étaient contenues dans les sols, les eaux qui sont contenues dans les nappes phréatiques, lorsqu'elles sont utilisées à des fins, que ce soit agricoles, surtout agricoles, avant industrielles, parce que l'industriel utilise beaucoup d'eau, mais il en remet beaucoup dans le milieu. Donc, en fait, cette eau, elle part ensuite en évaporation dans le lien au sol-plante, puisque cette eau est réutilisée par les exploitations agricoles. Et donc, on va retrouver cette eau en atmosphère. Et donc, se pose une question aujourd'hui qui est de plus en plus soulignée, c'est le fait que, on oublie de le dire, mais l'eau, c'est le premier gaz à effet de serre sur Terre.
Et donc, en fait, il contribue à l'effet de serre entre 60 et 80%. Alors, on n'en parle jamais parce qu'effectivement, c'est le CO2 qui est le premier, déjà le plus important et le premier marqueur des gaz à effet de serre qui, lorsqu'ils sont émis dans l'atmosphère, restent dans l'atmosphère, tout comme le méthane, alors que l'H2O, finalement, l'eau ne va pas être stable dans l'atmosphère et elle va finir par tomber. Et donc, on voit très bien ces formes de rivières atmosphériques qui vont permettre des passages prépondérants de cette accumulation d'eau atmosphérique. Et donc, ensuite, on va se retrouver avec des précipitations hors normes où, là encore, on est en dehors d'un contexte de variabilité naturelle du climat. Et donc, on se retrouve avec des pluviométries qu'on pensait encore jusque-là impossibles. En sachant qu'à chaque degré que l'on gagne dans l'atmosphère, on est à peu près entre 7 et 10% d'augmentation du pouvoir précipitant du nuage. Donc, en fait, voilà, l'idée, c'est de vous expliquer aussi à quel point peut-être une des solutions que l'on aurait dans le monde, parce qu'on parle beaucoup du fait de séquestrer le carbone, et bien sûr, c'est essentiel, mais séquestrer l'eau permet aussi de limiter l'effet de serre, puisque ce qu'on est en train de faire actuellement à l'échelle planétaire, c'est de prendre nos eaux souterraines et de les basculer ensuite au niveau massivement atmosphérique. Alors, j'ai mis du temps, mais j'ai fini par avoir les chiffres de toute la quantité d'eau sur le plan atmosphérique. Et donc, pour essayer de comprendre, parce qu'à la base, c'est ce qui nous protège, cet effet de serre sur la planète. Et donc, en fait, on se rend compte que c'est à peu près un tiers de l'eau que l'on a dans la mer Caspienne. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment une quantité d'eau qui est réellement infime en termes de vapeur d'eau à l'échelle de tout le globe. Et donc, lorsque vous allez chercher massivement de l'eau souterraine et que cette eau souterraine ou cette eau dans les sols est réexploitée massivement et ramenée au niveau atmosphérique, on va se retrouver nécessairement avec une augmentation des températures. Cette augmentation des températures va accroître l'effet d'évaporation des sols et donc de stress hydrique, va réaugmenter la température et va ensuite repermettre l'évaporation. Et dans ce cycle sans fin, à un moment donné, ça s'arrête, puisqu'il va y avoir un moment donné où ces eaux vont finir par tomber de manière instable avec des précipitations diluviennes. Et on voit à quel point la question de la sécheresse est totalement liée à la question du risque inondation et des inondations torrentielles et diluviennes que l'on peut connaître. Donc voilà, l'idée, c'était un peu de vous montrer finalement les grands enjeux de ce cycle de l'eau. Alors, je crois qu'on m'a demandé un petit peu les usages du cycle de l'eau dans les questions pour essayer de vous répondre. Alors, les chiffres varient en fonction des pays. Aujourd'hui, le plus grand utilisateur de l'eau au niveau mondial et l'agriculture, tout pays confondu, on serait sur un chiffre entre 93 et 96% suivant les études. En France, l'utilisation de l'eau en agriculture, c'est en moyenne 50% durant l'année et c'est 80% durant la phase estivale, puisque nécessairement, on a beaucoup moins d'eau disponible et on en utilise beaucoup plus sur notamment les cultures qui sont développées surtout pendant le mois de juillet et le mois d'août. Et c'est surtout le problème du maïs, c'est pas tant qu'il consomme beaucoup d'eau, c'est qu'il consomme de l'eau au mois d'août. Et donc, c'est surtout ça qui pose problème aujourd'hui et qui fait qu'on doit, à un moment donné, repenser notre modèle agricole si on veut premièrement créer une forme de résilience alimentaire, parce que c'est essentiel et qu'aujourd'hui, 80% de l'agriculture française va principalement aux bovins. Et donc, on voit très bien qu'il va falloir, dans un moment de géopolitique mondiale où on se retrouve avec des contraintes extrêmes sur le prix du blé, mais des contraintes extrêmes notamment sur la question énergétique, alors que la question énergétique est aussi en très grande partie liée à l'eau, puisque l'énergie, à part l'éolien et le solaire, on a besoin d'eau, que ce soit pour les ouvrages hydroélectriques, que ce soit pour l'extraction du charbon, où il faut de très grandes cuves d'eau, que ce soit pour l'extraction du pétrole, on est obligé d'injecter de l'eau pure si on veut pouvoir extraire le pétrole. Et donc, dans tous ces cas-là, on se rend compte qu'il y a une corrélation directe entre la question
de la ressource en eau et la question de la ressource énergétique. Et là, je vous donne un exemple pour vous montrer un petit peu le lien entre eau, énergie et géopolitique mondiale. La Chine a connu l'année dernière une de ses pires sécheresses dans le sud-est et on s'est retrouvé avec des déficits au niveau des rivières de près de 80%. Donc, toutes les centrales hydroélectriques se sont retrouvées à l'arrêt. On s'est massivement reporté sur le charbon, sauf que le charbon demandait des cuves d'eau colossales. Donc, on s'est retrouvé face à une limite. Et à ce moment-là, la Chine a été faire appel au gaz naturel liquide importé directement par les Qataris, parce qu'eux n'avaient pas la chance d'être au bout de gazoducs européens. Et donc, c'est quand même assez intéressant de voir ce qui se passe aujourd'hui au niveau international, parce que ce serait vraiment très intéressant pour la Chine, finalement, de voir les gazoducs qui partaient jusque l'Europe, finalement, se diriger sur la Chine. Ça viendrait répondre à leurs questions énergétiques, eux qui sont en train de subir des sécheresses massives. Et donc, on se rend compte que derrière la question des sécheresses, se posent des questions d'ordre économique et sur l'économie mondiale. Et souvent, on ne regarde que la question énergétique et on ne voit pas l'eau qui est cachée derrière. Je vous donne un autre exemple assez flagrant. On a eu une pénurie massive de puces électroniques l'année dernière. Elles sont principalement faites sur l'île de Taïwan. Et Taïwan n'a pas connu de typhon l'année dernière. Donc, elle s'est retrouvée face à une sécheresse extrême historique qu'elle n'avait jamais connue. Et donc, comme il n'y avait plus d'eau sur l'île et que la première usine de l'île, pour vous donner un chiffre en moyenne, pour construire ces puces électroniques, a besoin de 156 000 tonnes d'eau par jour. Et donc, comme elle s'est retrouvée avec le fait de ne plus avoir d'eau, on s'est mis à prélever l'eau pour les habitants et pour l'agriculture pour pouvoir le ramener via des camions-citernes de toutes les zones de l'île en direction de ces usines qui font l'économie de l'île. Donc, ça n'a pas empêché, malgré ça, une inflation très forte sur les SUV et sur tous les systèmes qui utilisent des puces électroniques parce que ça a un impact derrière direct. Et on ne s'imaginerait pas à quel point l'eau est cachée derrière, à quel point la question de la sécheresse est cachée derrière le prix de notre SUV ou de notre téléphone. Donc, je crois que voilà, prendre conscience de la question de l'eau, c'est comprendre que l'eau, c'est une surdouée. L'eau, elle sait tout faire, c'est-à-dire que c'est le meilleur des solvants. Elle sait réchauffer, elle sait refroidir. Elle permet effectivement, c'est la base sur le plan agricole. Et il ne faut jamais oublier qu'on est tous, autant qu'on en est ici, composés d'eau et nos propres cerveaux sont composés de 90% d'eau. Et donc, en fin de compte, on fait partie de ce système qui a besoin d'eau. Et on a besoin d'eau douce, d'eau disponible. Alors, on m'a souvent posé la question, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on ne va pas prélever l'eau dans les océans, puisque 96% de l'eau mondiale est dans les océans? C'est compliqué d'aller la chercher au niveau des îles Atlantis. Alors, certains ont essayé, hein, dans les Émirats arabes unis, par exemple, dans les années 70, on a essayé de prendre d'immenses icebergs et de les remorquer via des cargos en mer. Et donc, on s'est rendu compte que ça coûtait trop cher. Ce n'était pas le problème d'aller les chercher. Le problème, c'était surtout le temps pour ensuite, derrière, les amener sur place. Et donc, le coût de revient était trop élevé. Donc, pour, en tous les cas, l'eau qui est disponible directement pour nous, on se rend compte qu'il va falloir vraiment essayer de mener une réflexion pour créer un nouveau modèle parce qu'on a besoin de cette eau à tout niveau. La question de l'eau au niveau mondial posera une question d'assoiffé, mais pas tant. C'est surtout la question des affamés que l'on aura puisque c'est la question de l'agriculture mondiale. Et donc, si ces sécheresses sont en train d'arriver un peu partout, en réalité, on est en train de limiter cette capacité alimentaire des pays. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que beaucoup de pays du Golfe actuellement investissent massivement au Mozambique et dans les pays africains. Et pour finir sur la question de la désalinisation de l'eau de mer, le principal problème de la désalinisation aujourd'hui, c'est qu'elle demande beaucoup d'énergie
Et si on a besoin d'énergie, derrière, on a besoin d'eau. Et donc, en fin de compte, on n'a pas encore de solution, même s'il y a de nouvelles techniques qui utilisent le solaire. On est encore très, très loin d'avoir la panacée. Et puis surtout, localement, on va diffuser des taux de salinité beaucoup plus importants et donc avoir un impact notamment sur l'ensemble de la chaîne trophique. Donc voilà, j'ai essayé un peu de vous évoquer en l'espace de, je crois que je suis à peu près dans les temps, de 20 minutes, cette question de l'eau dans le monde. Et puis je peux bien sûr répondre merci. À des questions. Oui, merci. Merci beaucoup, Emma. Je vais devoir enchaîner avec le prochain intervenant, mais il y avait une question sur les territoires ultramarins. Si vous pouvez rester encore quelques minutes avec nous et y répondre par écrit, ce serait vraiment super. Voilà, on est un petit peu contraint par le temps. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction de la thématique et des enjeux de la ressource en eau. Vous avez commencé à parler aussi des conflits d'usage qu'on peut rencontrer. Donc, on va maintenant découvrir un premier territoire, donc avec Morgane Priol, qui est directrice de la délégation Maine-et-Loire-Océan à l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Morgane, je vais vous laisser partager votre écran et votre support. Donc, vous allez nous présenter le plan d'adaptation au changement climatique du bassin et comment est-ce que cette thématique de l'eau traité. Voilà, je vous remercie, je vous donne la parole et merci beaucoup Emma. Merci à vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien l'écran? Alors, on vous entend bien, mais il faudrait mettre en plein écran votre présentation. Voilà, super, là c'est parfait. Donc, merci. Donc, je vais effectivement reprendre certains éléments de la brillante présentation d'introduction parce que ça rejoint les préoccupations qu'on pouvait avoir. Donc, l'idée, c'était de vous partager le plan d'adaptation au changement climatique qui a été développé sur le bassin versant Loire-Bretagne et dans l'idée de développer une dynamique ambitieuse. Donc, peut-être juste quelques mots pour resituer pour l'ensemble du public. J'ai vu qu'on était assez avec des origines diverses. Donc, ce que sont les agences de l'eau, en fait, il y en a 6 en France. Vous voyez la carte normalement à l'écran et elles sont en fait sur les bassins versants. Donc moi, je suis sur celui qui est en vert pomme là, de la Loire-Bretagne, donc qui va des sources de la Loire jusque la pointe du Finistère. L'idée, c'est de, pour ces agences qui sont des établissements publics, c'est de prélever ou de récupérer la redevance sur l'eau, puisqu'on dit en France l'eau paye l'eau, et donc de la restituer aux différents acteurs qui œuvrent pour une meilleure qualité et une meilleure quantité d'eau à travers un certain nombre de subventions. Et donc, c'est un budget annuel pour l'ensemble des 6 agences de 2 milliards d'euros qui permettent d'avoir 4,5 milliards de travaux aidés finalement. Voilà, donc on citait les redevances en dessous qui sont effectivement d'abord la logique des redevances sur les pollutions diffuses, donc payées par l'abonné sur sa facture d'eau potable pour l'assainissement et l'eau potable, mais on a d'autres contributeurs que sont les producteurs de produits phytosanitaires, donc de pesticides, tous ceux qui font des prélèvements d'eau, les rejets industriels, etc. Le réinvestissement se fait sous forme de différentes interventions, comme je le disais, donc sous une grosse partie encore sur l'épuration des eaux usées et domestiques, et puis un certain nombre d'autres usages qui sont aidés, la gestion quantitative, les questions qualitatives avec le monde agricole, par exemple. Donc, ces agences de l'eau se sont dotées en fait d'une stratégie d'adaptation au changement climatique à partir, alors pour certaines, de manière un peu plus ancienne. C'était le cas de Rhône-Méditerranée-Corse, qui a voté son plan en 2014, puis de Seine-Normandie-Artois-Picardie qui l'ont voté plutôt en 2016. Et effectivement, pour les 3 autres, les choses se sont faites en 2018 à la suite de l'accord de Paris et de la COP21 qui a en fait enclenché un mécanisme de signature du pacte d'adaptation au changement climatique par les agences de l'eau. Donc, ces plans s'inscrivent en fait dans l'ensemble de la dynamique des outils qui sont à la disposition des acteurs de l'eau. Ce n'est pas un outil réglementaire, c'est vraiment un outil qui vise à lancer une dynamique et donc
à impulser ou à inciter les acteurs à agir, à avoir un effet d'entraînement et donc à citer un certain nombre d'exemples notamment et à expliciter les enjeux. Et ça vient en complément, ce plan d'adaptation au changement climatique, du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui est le gros, l'outil en fait de planification sur l'eau, sur les bassins, et qui vise lui à donner des règles, qui est un outil plus réglementaire pour le coup, puisqu'il va imposer un certain nombre de choses à différents acteurs qui vont devoir rendre leurs propres outils compatibles avec le SDAGE. Et puis un autre outil qui est le programme d'intervention de l'agence de l'eau, qui lui est l'outil financier et vise à dire quelles sont les mesures qui vont aider. Donc l'ensemble des trois documents finalement permettent de lier la politique de l'eau et le changement climatique et d'apporter des solutions. Alors pourquoi ces agences et ces bassins se sont-ils mobilisés au-delà du plan national d'adaptation au changement climatique? Peut-être dire que les bassins, en fait, on a à ce niveau-là une gouvernance, un parlement de l'eau qui est constitué à 40% des acteurs économiques, à 40% des acteurs publics, et puis à 20% de l'État. Donc, en fait, j'ai dit 40% collectivité publique, 20% État, 40% plutôt usagers, dont 20% acteurs économiques, 20% associatifs. Et ce Parlement de l'eau, en fait, s'est mis en situation de traiter du changement climatique en 2018 en voyant que les impacts du changement climatique affectaient fortement le cycle hydrobiologique. Je pense que Emma Aziza l'a démontré tout à l'heure dans son introduction. Qu'il y a un certain nombre de tendances qui se ressentent déjà aujourd'hui. Elle l'évoquait également avec des variabilités accrues du cycle des précipitations. Et que tout ça a des conséquences et que si on n'a pas d'anticipation, chacun voudra plus d'eau à son niveau pour ses différents usages, qui risquerait d'entraîner des conflits. Et donc, il y avait lieu qu'au niveau des bassins, la gouvernance qui est une gouvernance multi-acteurs s'en saisisse et puisse proposer un certain nombre de choses. Donc, les démarches avaient plusieurs points communs. Hein, des six agences, on peut dire qu'à chaque fois, au niveau de ces comités de bassins, il y a eu une large concertation de tous les acteurs de l'eau. En Loire-Bretagne, ça s'est traduit par la volonté de consulter à la fois le public et les assemblées, donc les assemblées constituées. Et on a eu plus de 280 avis qui sont traduits par plus de 2500, 2600 amendements, regrets, encouragements, souhaits d'aller plus loin, voilà, idées nouvelles pour qu'on puisse compléter le document. D'autre part, un accompagnement par la communauté scientifique avec un large panel d'acteurs, une prise en compte des spécificités territoriales, une analyse de la vulnérabilité sur un certain nombre des bassins, et puis une analyse des enjeux avec la définition d'un certain nombre d'actions possibles et de valorisation des acteurs et des actions déjà engagées. Les clés pour s'adapter étaient et sont encore connues hein, dans le domaine de l'eau, en tout cas en partie. On sait qu'on ne pourra pas faire que l'adaptation, en tout cas que l'adaptation deviendra impossible si on n'a pas aussi une politique d'atténuation. Donc c'est bien de réaffirmer ce principe qu'il faut dès aujourd'hui et encore aujourd'hui travailler à la fois sur l'atténuation et sur l'adaptation. C'est ensuite de privilégier des solutions qu'on appellera sans regret, multifonctionnelles, donc qui agissent un peu sur différents aspects et fondées sur la nature, avec un espoir d'efficacité et de réponse à plusieurs objectifs. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est d'être sur des solutions qui seraient de mauvaises solutions, une maladaptation en quelque sorte, ou on peut dire aussi les fausses bonnes idées, mais plutôt voilà, viser vraiment des solutions dont on sait que quel que soit le scénario, on aura eu raison de les mettre en œuvre. Le troisième grand point, c'est qu'il faut agir plus vite et plus fort. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous en sont, j'espère, convaincus. La plupart des solutions sont connues. S'adapter au changement climatique, c'est surtout aujourd'hui une question d'urgence et de degré d'effort. Alors, si je poursuis sur la façon dont ces plans se sont construits, en fait, il y a eu une analyse, je le disais, des sensibilités, des vulnérabilités des territoires. Donc, la sensibilité, on est parti de l'état des lieux, des milieux et des usages. Donc, on a au niveau des schémas directeurs un état des lieux qui est fait
très régulièrement. Et donc là, on est parti de l'état des lieux de 2013. On a pris quatre indicateurs qui étaient la disponibilité de la ressource en eau dans les cours d'eau, le bilan hydrique des sols, la biodiversité des milieux aquatiques en lien avec les cours d'eau d'une part, ripisylves et zones humides, et puis enfin la capacité d'auto-épuration des milieux aquatiques. On a croisé cette sensibilité avec l'exposition, qui elle se définit comme la variation climatique attendue en fonction de différents scénarios. En l'occurrence, on a pris pour Loire-Bretagne 14 scénarios climatiques issus de l'étude Explore 2070, hein, qui est une étude que vous retrouverez en ligne sur le site du ministère de la Transition écologique. Et ce croisement nous amène à avoir la vulnérabilité des différents territoires, et donc ça sur 23 secteurs du bassin à Loire-Bretagne. Peut-être avant de détailler cette vulnérabilité sur ces différents critères, faire un petit point sur le lien hydrologie et qualité de l'eau pour le territoire que je connais et sur lequel je travaille, qui est le bassin Loire-Bretagne. Donc vous voyez qu'on a en haut à gauche de l'écran la carte des débits des cours d'eau en période estivale, donc les débits, on va dire, minimum bas, quinquennaux. Et tout ce qui est en rouge, ce sont les débits les plus faibles. Donc on est avec des débits très bas sur notamment les zones où on a soit moins de pluie, soit une zone plus sédimentaire, et donc une zone pardon, plus de socle sur lequel on n'a pas de recharge des cours d'eau par les nappes. En été, ou en tout cas moindre que sur les zones de socle. Donc on a des débits relativement faibles et ça se traduit directement, alors ce n'est pas le seul critère, mais c'est au moins un critère qui explique la qualité des rivières sur notre territoire, puisqu'on voit qu'on retrouve en orange et jaune les qualités mauvaises à médiocres des masses d'eau qui sont en partie liées à ces débits faibles, qui entraînent du coup une faible oxygénation des cours d'eau, des hausses des températures, et donc une vie biologique qui est peut-être moins évidente, si je simplifie un peu le processus. Si je regarde maintenant les différents critères, et donc l'analyse qui a été faite de la sensibilité du territoire et donc le degré de vulnérabilité de ces territoires, si je reprends le premier qui était donc là, la capacité épuratoire des cours d'eau, on voit que finalement, les secteurs qui vont être touchés par à la fois des débits en quantité plus faible et des températures qui vont donc être plus élevées avec le changement climatique qui va s'intensifier, le dérèglement, vont pouvoir amener à des phénomènes d'eutrophisation, donc des milieux sur lesquels on va avoir peut-être une explosion de certains nutriments et donc de certaines microalgues, par exemple, qui vont amener à avoir une consommation d'oxygène et donc à limiter le développement d'autres vies biologiques, et donc empêcher également aussi ou limiter le phénomène d'épuration par le milieu. On retrouve donc un certain nombre de territoires là, sur la zone côtière vendéenne, et puis l'aval du bassin versant de la Loire, sur lequel on a une sensibilité plus forte et sur lequel on va, quand on croise avec les scénarios, obtenir une vulnérabilité pardon, également importante. Donc avec des critères plus foncés, pardon, je suis allée dans le mauvais sens sur mon diaporama. Le même schéma sur les questions de disponibilité de l'eau à l'étiage et des bilans hydriques des sols en fin d'été. Je ne vais peut-être pas trop les détailler, parce que je vois le temps qui tourne assez vite, mais on voit qu'on a un effet ciseau sur les questions de disponibilité en eau, c'est-à-dire que quand on a une demande, quand on va avoir une disponibilité moindre, on peut avoir paradoxalement une demande qui augmente du fait du changement climatique et des besoins, par exemple, des cultures, et donc avoir finalement une situation qui s'aggrave et des pressions en prélèvement à l'étiage qui vont être parfois limitées, ou en tout cas qu'on va devoir limiter si on veut préserver les milieux à l'avenir. Voilà, sur la question des bilans hydriques, hein, on retrouve là des logiques d'évapotranspiration qui étaient évoquées tout à l'heure aussi par Emma Aziza. On regarde ce qu'est la capacité du sol à retenir l'eau, sa réserve utile, et qui elle-même va dépendre des précipitations et donc des capacités de recharge
qu'on a. Et donc, on se retrouve avec des situations où la sensibilité des territoires va être importante là en Centre-Bretagne et puis finalement sur un certain nombre d'autres territoires. L'autre secteur foncé, c'est le secteur de Poitou-Charentes qui est la Gartempe. Et quand on croise avec les scénarios, là aussi, on retrouve un certain nombre de territoires vulnérables. Vous voyez que ce n'est pas toujours les mêmes selon le critère qui est retenu. Et si je poursuis avec la biodiversité, ça va être encore d'autres territoires qui peuvent être impactés. Mais dans tous les cas, on a pu caractériser la situation et essayer de voir dans quelle mesure les territoires seraient concernés et auraient plus ou moins à s'adapter, mais toujours plutôt plus. À cette évolution du climat. Voilà, je terminerai ici avec la sensibilité sur les zones côtières. Voilà. Avec à la fois l'évolution du niveau de la mer en centimètres en moyenne globale pour les deux périodes, et on voit qu'on peut avoir un impact sur le trait de côte et qu'on a des situations qui vont se retrouver plus ou moins concernées. En fait, ce qui est, je pense qu'on voit mieux, voilà, ici, l'augmentation ou la sensibilité, on va dire, de la zone côtière va être plus forte toujours en fonction du caractère plus ou moins rouge des points. Donc, vous voyez que selon où on se situe, selon différents critères qui sont à la fois la morphologie, on va dire, de la côte, donc la façon dont elle est constituée, et puis la pression liée à cette élévation de la mer, on peut se retrouver avec une situation de vulnérabilité du littoral plus ou moins forte. Des questions d'érosion et d'augmentation du niveau des eaux. Donc le plan d'adaptation au changement climatique Loire-Bretagne a repris l'ensemble de cette vulnérabilité et à regarder comment on pouvait réagir sur 5 enjeux qui concernaient le schéma, à la fois la qualité des eaux, les milieux aquatiques, les questions de quantité, la gouvernance, qui sont 4 qui proviennent directement du SDAGE, et puis un qui provient plutôt d'un autre schéma qui est le plan de gestion des inondations, qui est la question des inondations et de la submersion marine. Voilà, tout ça pour mettre en évidence un certain nombre de leviers d'action et donner une large place dans la gouvernance aux SAGE, qui sont les schémas d'aménagement et gestion des eaux, pilotés plus localement. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre d'actions qui seront menées dans le cadre du programme d'action pour venir proposer ou financer un certain nombre de ces actions sur l'adaptation. On a aussi considéré que les études étaient encore importantes à mener, donc c'est un thème prioritaire. Les études à l'adaptation au changement climatique. Et donc, il y a un certain nombre d'appels à projets qui sont complémentaires au programme d'action qui viennent permettre de financer cela. Alors, peut-être pour poursuivre sur les enjeux, avant d'arriver aux exemples, donc on voit qu'on a, je l'ai évoqué, une plus forte évapotranspiration des plantes, une répartition des pluies différentes et des sécheresses des sols plus importantes. Donc, ça amène à une gestion quantitative à anticiper avec une baisse des ressources disponibles et une plus grande variabilité hydrologique naturelle. Donc, en pratique, des actions qui visent la lutte contre le gaspillage, partager l'eau, viser la meilleure performance des réseaux, peut-être repenser le prix de l'eau pour avoir un prix plus juste, même si c'est parfois difficile. On voit aujourd'hui qu'on a ce débat-là pour l'énergie et je pense qu'il faudra l'avoir aussi pour l'eau. Des usages moins sensibles aux aléas, donc diversifiés, y compris sur le plan agricole, peut-être substituer certaines ressources, récupérer un certain nombre d'eau, les eaux de pluie, les eaux usées, diminuer le besoin à l'eau avec un meilleur pilotage, des pratiques culturales différentes. Limiter l'assèchement des sols, c'est penser à réinfiltrer, on le verra sur les eaux pluviales, à la fois en milieu urbain et en milieu rural, avec des aménagements de type E, et en milieu urbain, favoriser la prise en compte dès l'aménagement de cette question de la réinfiltration des eaux de pluie plutôt que sous forme de tuyaux dans des espaces prévus et plus naturels. Donc limiter l'imperméabilisation, la retenir dans les sols
Et puis le dernier point, protéger les fonctionnalités des milieux pour leur permettre d'être le plus résilient possible à cette évolution, restaurer et lever les pressions physiques, protéger l'ensemble des milieux, notamment les milieux aquatiques. D'autres, toujours sur les enjeux, des températures plus élevées, des concentrations donc en polluants qui risquent d'être plus importantes, des risques d'eutrophisation, de risques sanitaires, on voit à différents endroits liés à l'eutrophisation, hein, avec des toxines qui sont produites par les microalgues en question, des événements intenses plus fréquents, de l'érosion, des coulées de boue, et donc là, ça renvoie à préserver la qualité de l'eau, avec en pratique la limitation des pollutions diffuses, des efforts pour améliorer l'épuration dans les secteurs les plus sensibles, assurer une protection pérenne des aires d'alimentation de captage pour l'eau potable, aménager l'espace rural et urbain, notamment agroforesterie, désimperméabilisation, on retrouve des sujets qu'on voyait tout de suite, renaturation des cours d'eau, limitation de l'évaporation des plans d'eau. Donc, les solutions peuvent des fois répondre à plusieurs enjeux assez fréquemment. Donc voilà, un certain nombre de solutions, je le disais, sont connues et communes. Donc sur cette diapo, on en recense un certain nombre. Je ne les reciterai peut-être pas tous parce que certaines, je les ai déjà un petit peu évoquées, mais vous pouvez les lire à l'écran. Donc c'est limiter le gaspillage, lutter contre, c'est des usages moins sensibles aux aléas, c'est limiter l'assèchement des sols, c'est des milieux aquatiques et humides plus fonctionnels, en tout cas dont on préserve la fonctionnalité, c'est limiter l'impact des inondations et de la submersion marine. Alors, je voudrais en venir à quelques exemples. Je pense que c'est l'intérêt de ce plan, c'est aussi de fournir des exemples pour montrer que chacun, où il est, peut agir avec un certain nombre de solutions, soit avec des actions classiques, standardisées, hein, qui sont dans le programme et qu'on pourra financer, soit avec des questions d'appel à projet, mais parfois même sans financement, hein, on peut aussi le penser. Et donc, les six, en tout cas, les six grands bassins versants portent une politique en termes d'accompagnement et d'incitation à agir avec des taux intéressants de subventions et des montants de budget dédiés pour soutenir des actions en faveur de l'adaptation au changement climatique, sans oublier, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'atténuation. Donc, des exemples ici qui m'ont concerné Loire-Bretagne, mais qui, j'en doute pas, sont aussi présents dans les autres bassins, même si je ne pourrais pas vous les rapporter aujourd'hui. Donc là, un exemple sur la limitation des fuites sur le réseau potable, d'adduction d'eau potable de Nantes Métropole, avec un financement d'installation de localisateurs de fuites, un grand réseau. Et là, on utilise des technologies modernes pour pouvoir compris collecter l'ensemble des données sous forme de SIG et avoir un travail fin de localisation puis de limitation de ces fuites. Des équipements publics économes sur la robinetterie, de la récupération d'eau pluviale. Donc là, un petit schéma qui vous montre qu'effectivement, on a un effort de sobriété sur les prélèvements qui sont, et les usages en fait, de l'eau potable avec une consommation annuelle par habitant qui a tendance à baisser. Des campagnes aussi qui visent l'industrie avec un travail à la fois réglementaire des DREAL vis-à-vis et des DDPP vis-à-vis des industriels et un accompagnement des travaux chez ces industriels par des financements de l'agence de l'eau pour viser l'économie d'eau. Et puis en lien avec l'agriculture, un certain nombre d'accompagnements, alors à la fois réglementaires, vous voyez la carte d'usage qui vise en fait à identifier les secteurs qui sont déjà déficitaires en eau au regard de la disponibilité en eau versus les usages qui en sont faits sur ces territoires-là, ceux sur lesquels on est déjà en tension et ceux sur lesquels il faut rester vigilant pour l'avenir. Donc à la fois sur ce volet réglementaire, sur un volet études où on travaille avec les maîtres d'ouvrage, on les accompagne à des études qui visent à mieux connaître l'hydrologie, les usages, les besoins des milieux, et ça en relation avec différents scénarios d'évolution du climat pour être en capacité ensuite de penser le partage de l'eau à l'échelle du territoire, ce qu'on appelle les projets territoriaux de gestion des eaux, qui sont là aussi accompagnés avec le financement d'animateurs, par exemple. Autre exemple sur l'aménagement
des espaces avec des plantations de haies et de bandes enherbées en rupture de pente ou en bas des talus avant le cours d'eau pour en faire des zones de rétention et éviter d'une part le passage peut-être de certains polluants directement dans l'eau, mais également favoriser l'infiltration au sol de l'eau et donc ralentir le cycle de l'eau avec là un financement qui est très partenarial, hein, vous voyez l'ensemble des logos depuis l'État, l'OFB, l'ADEME, la région, l'Agence de l'eau et puis avec des partenaires locaux que sont la FAC, qui est l'Association française pour l'arbre, autour de la plantation de haies et de l'agroforesterie, donc un programme qu'on appelle l'IGERBOCAGE et qui est fait avec, sur lequel différents partenaires, notamment agricoles, la Chambre d'agriculture, s'impliquant dans la mise en œuvre de ce programme-là. Et puis des actions qui vont viser l'infiltration en milieu urbain, cette fois avec des volontés de désimperméabiliser. Et là, je dirais qu'il faut souvent penser l'aménagement bien en amont. Il s'agit souvent de concevoir ça dès le départ, avec des noues qui sont pensées aux bons endroits, avec une circulation de l'eau selon la topographie, et en lien avec les usages de ce territoire-là par les habitants. Donc là, on a un gros travail encore à mener avec vous tous, j'espère, de formation, de sensibilisation de l'ensemble des acteurs, depuis les bureaux d'études, aux aménageurs et aux collectivités qui portent les projets. Souvent, il y a beaucoup de bonne volonté. La mise en réseau est importante. On voit que c'est très transversal comme question et donc ça suppose de l'énergie de chacun. Il y a encore des choses à faire, mais on voit déjà de belles choses. On essaye de favoriser un réseau d'acteurs pour se partager les bonnes idées et les bons exemples. Il me reste encore quelques exemples à vous proposer. Ça, c'est tout ce qui est pensé autour de la réutilisation des eaux usées. Donc, on a déjà un certain nombre d'existants, hein, sur la réutilisation d'eau pour, par exemple, l'irrigation des parcours de golf, pour des espaces verts, pour de l'agriculture. Là, ce qui est pensé dans ce programme Jourdain, ça va un petit peu encore au-delà. On teste l'utilisation d'eau usée pour de la consommation en eau potable, donc une sorte de boucle vertueuse, de réutiliser les eaux usées dans un territoire particulièrement sensible à qui est le territoire littoral vendéen, sur lequel on sait que la ressource est faible et où on n'a pas par ailleurs une forte demande avec un attrait touristique estival qui amène à une demande croissante en eau. Et donc, il y a cette boucle vise à réutiliser les eaux usées pour en faire de l'eau potable. Donc, c'est un projet conséquent. Vous voyez 22 millions d'euros de projet, différents financeurs. Pour le moment, tout n'est pas bouclé dans le plan de financement, mais l'Agence de l'eau a déjà mis 4 millions d'euros. La région et l'Europe en ont mis également et le département de la Vendée. Et on espère que ça pourra servir à d'autres. C'est vraiment un premier test, grandeur nature, mais quand même une expérimentation. D'autres exemples, cette fois sur plutôt la question des milieux, et je sais que certains intervenants après moi reviendront sur cette question des solutions fondées sur la nature. Là, on est sur la réouverture de milieux rétro-littoraux dans des marais à Kertuduel en Morbihan, avec l'idée de leur redonner plus de fonctionnalités pour qu'ils puissent justement être plus résilients avec y compris de la dépolarisation, en tout cas des essais de dépolarisation. Alors des programmes qu'on suit dans la durée pour pouvoir en tirer des exemples et au bénéfice de tous. Et puis, dernier ensemble, avant d'en venir à la conclusion de mon propos, des choses autour de la gouvernance et de la communication. Donc c'est vrai qu'on est... Je pense que l'ensemble des acteurs, et je remercie là, le comité 21 de nous avoir invités dans ce webinaire, puisqu'on a besoin collectivement de continuer à mobiliser l'ensemble des acteurs. Et donc, des colloques qui ont pu être faits en 2018 et 2019 autour du changement climatique, des boîtes à outils, le financement d'une boîte à outils menée par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire sur l'agroécologie, et qui est
disponibles en ligne et qui visent notamment à travailler sur la question des haies et du bocage, des appuis autour des études, donc on appelle chez nous HMUC, hydrologie, milieu, usage, climat, qui sont là aussi disponibles avec des guides pour les mener, des cahiers des charges. Voilà, peut-être venir à la conclusion, dire que ce plan d'action au changement climatique donc, a été élaboré sur le bassin Loire-Bretagne avec l'ensemble des acteurs du Parlement de l'eau en juin 2018. C'est vraiment la volonté de mettre en action et de mettre en mouvement l'ensemble des acteurs en montrant qu'il existe des solutions, qu'il faut maintenant les mettre en œuvre de manière plus importante et plus rapide. Le Varenne agricole de l'eau et du changement climatique qui s'est tenu récemment en France a conduit peut-être à contribuer encore à ce débat-là et nous amène à proposer de revoir maintenant, au bout de 4 ans, ce plan d'action au changement climatique et de peut-être le réactualiser. En tout cas, on continue à se mobiliser, l'ensemble des acteurs du bassin et l'Agence de l'eau Loire-Bretagne notamment. Je peux vous signaler déjà qu'on aura au moment des carrefours de gestion locale de l'eau en juin à Rennes, mais qui peuvent être retransmis le 29 et le 30 juin, encore un certain nombre d'ateliers sur ce thème-là, c'est-à-dire comment relever le défi sur les territoires et comment faire de l'adaptation au changement climatique, finalement un enjeu clé de l'aménagement sur les territoires littoraux. Ce sont deux des ateliers qui pourront être proposés à cette occasion. Voilà, je vous remercie. Merci. Et moi aussi à disposition pour les questions. Merci beaucoup, Morgane, pour votre présentation et donc cette vue d'ensemble de comment cette problématique de l'eau est traitée au niveau du bassin Loire-Bretagne. On a eu plusieurs questions. Malheureusement, on ne pourra pas prendre le temps de toutes les traiter de suite, mais certaines vont être abordées, je pense, dans les autres présentations de l'après-midi et dans le temps de discussion en fin d'après-midi. Donc, je vais peut-être vous proposer, Morgane, de voir si on peut répondre à deux questions, notamment une qui porte sur la problématique de la remontée du niveau de la mer avec le sujet de la remontée du biseau salé au niveau de l'estuaire de la Loire. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce sujet-là? Est-ce que ça peut poser notamment problème et est-ce que ça a un impact sur les ressources souterraines notamment? Et on a une autre question au niveau de la question de, vu qu'on a beaucoup parlé de qualité de l'eau, de l'assainissement non collectif. Est-ce qu'on a une visibilité du poids que ce type d'assainissement a en France et du risque que cela peut porter sur la qualité de l'eau. Sur la question de l'estuaire de la Loire, je pense qu'il faut distinguer deux sujets. Le sujet du biseau salé qui est évoqué ne me semble pas forcément celui, en tout cas qui porte spécifiquement sur l'estuaire de la Loire. Il est plus largement sur l'ensemble des côtes. En fait, et il signifie que quand on a un prélèvement sur des nappes en bord de littoral conjointement à une augmentation du niveau de la mer, on peut avoir effectivement des infiltrations d'eau salée dans les nappes, ce qui sera effectivement problématique pour les usages ultérieurs. Donc ça, effectivement, c'est documenté et dans le plan d'action sur le changement climatique, au changement climatique Loire-Bretagne, il y a en annexe un état des connaissances qui je ne vais peut-être pas le détailler ici, mais c'était la carte que j'évoquais tout à l'heure qui précise plus dans le détail cette sensibilité des différents territoires au biseau salé. Et puis, il y a un deuxième sujet qui me semble à différencier, qui est celui, j'appellerais, du bouchon vaseux sur l'estuaire de la Loire, qui est lui, en fait, lié à une remontée dans l'estuaire de l'eau salée et notamment sous la pression des marées, conjointement avec une gestion sédimentaire sur l'estuaire de la Loire qui a été mise en difficulté par le précédent fait sur ce fleuve-là, commence aujourd'hui à remonter dans l'estuaire de manière de plus en plus loin et qui entraîne une eau qui est de moins bonne qualité, qui va être plus trouble et qui va du coup limiter le développement de la vie piscicole en l'occurrence, hein, ce qui nous amène à un indice poisson assez mauvais sur cette masse d'eau de transition. Donc, effectivement, à y regarder. Et ce qui conduit à une autre difficulté, c'est que Nantes Métropole a sa prise d'eau potable
sur l'estuaire, enfin relativement haut, mais sur la Loire, et que le bouchon vaseux remontant, on a des risques que ce bouchon vaseux vienne empêcher, ou en tout cas limiter en étiage, la prise d'eau et donc l'alimentation en eau potable de Nantes Métropole et plus largement d'ailleurs d'une partie du département Loire-Atlantique. Donc effectivement, ça fait partie des enjeux importants et donc on finance une étude qui est portée par le GIP Loire-Estuaire sur un modèle hydro-sédimentaire et de qualité des eaux sur l'ensemble de l'estuaire de la Loire pour essayer de mieux documenter ce phénomène et de voir ce qu'on peut faire pour agir. Voilà, pour essayer de faire court et de répondre à cette première question. Sur la deuxième, je sais que le temps est imparti, donc je vais essayer de faire court aussi. Sur l'assainissement de nos collectifs, donc, le programme d'intervention de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne vient d'être révisé et on a collectivement décidé de ne plus financer l'assainissement, donc le travail et la reprise de l'assainissement non collectif, sauf sur certains secteurs où il a un impact sur les milieux et notamment sur les zones sur les zones côtières où on pense que les niveaux de qualité d'eau et notamment sur le plan sanitaire par rapport à des enjeux conchylicoles ou des enjeux de baignade est en partie affecté par l'assainissement non collectif. Pas seulement, par l'assainissement collectif aussi, voire par des fois, soit des questions d'élevage très ponctuellement, soit des questions de gestion des eaux pluviales, mais également aussi par l'assainissement non collectif. Et donc, on continuera à financer sur ces secteurs-là. Je pense que ce qui se passe en Loire-Bretagne, je pense, doit pouvoir être généralisé sur l'ensemble de la France. C'est-à-dire que, on va dire, dans des zones en fait, plus rurales, il n'y a pas forcément un impact majeur de l'assainissement collectif. Mais sur le littoral, il peut encore avoir des impacts notables. Merci. Sarah, je te redonne la parole pour passer à la suite. Merci. Oui, donc s'il y avait d'autres questions, n'hésitez pas à y répondre un petit peu dans le chat. Donc on passe à la suite. Donc on va se faire un autre territoire. Donc on se dirige vers le bassin versant de l'Aude. Je vais demander à Philippe Cluzel de bien vouloir partager sa présentation. Voilà, super, merci. Et donc, vous allez nous parler en particulier des enjeux liés au déficit d'eau sur ce territoire. Travaillez-vous en tant que chargée de mission ressources en eau au SMAR, qui est le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières. Donc, je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Du coup, donc c'est bon, vous voyez ma présentation? Parfaitement, oui. Ça doit défiler. Donc oui, Philippe Cluzel, donc du SMAR. Donc je suis le chargé de mission ressources en eau au sein de l'EPTB. Donc le SMAR, rapidement, pour vous situer, donc il a été créé suite aux inondations tragiques de 1999 et reconnu EPTB en 2008. Et à ce titre-là, donc il a deux objectifs. Donc d'une part, faciliter la prévention et la protection contre les inondations et contribuer à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Et à ce titre-là, il a été chargé par le préfet coordonnateur de bassin de Rhône-Méditerranée-Corse, chargé d'assurer la coordination des mesures et actions en faveur de la gestion équilibrée de la ressource en eau, et notamment de porter les études volume prélevable et l'élaboration du PGRE à l'échelle du bassin versant de l'Aude et de la Berne. Donc le SMAR, c'est 8 membres, hein, donc le département de l'Aude et 7 syndicats adhérents. Donc, vous avez la carte à l'écran. Et le SMAR porte aussi 3 SAGE, à l'échelle du bassin versant, et une instance de concertation Aude Médiane, donc sur la partie centrale. Effectivement, on n'a pas de sage, on a un trou dans la raquette. Pour autant, on a souhaité mettre en place une instance de concertation au moment de l'élaboration du PGRE. Et le tout, donc sage et instance de concertation, étant coordonné au sein d'un comité technique intersage, qui a été l'instance de pilotage du suivi de l'étude des volumes prélevables et de l'élaboration du PGRE. Donc là, je passe, donc c'est le SMAR, donc rapidement, c'est 30 agents répartis sur 3 pôles, chaque agent étant affecté au sein des syndicats
je dirais, à l'échelle du département. Du coup, pour en venir un petit peu plus dans le détail par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc la situation déficitaire du bassin versant de l'Aude, elle est connue depuis le stage de 2010-2015. Et le bassin versant, donc les cartes du bassin RMC, donc l'Aude, on est tout en bas, juste au-dessus des Pyrénées-Orientales. Donc il a été identifié dès le stage 2010 comme nécessitant des actions de résorption du déséquilibre, sachant que ce déséquilibre n'avait pas été caractérisé à ce moment-là, il a été au moment des études de volume prélevable. Le bassin comprend deux arrêtés de classement ZRE, donc sur les parties les plus déficitaires, donc on verra tout à l'heure, que sont l'Aude médiane et l'Aude aval. Et au niveau du plan d'adaptation au changement climatique RMC, le bassin versant ne ressort pas comme très vulnérable par rapport à d'autres sous-bassins d'RMC, mais comme nécessitant des actions génériques d'adaptation, comme on l'a vu tout à l'heure, donc c'était sur la présentation de Loire-Bretagne. Donc l'étude des volumes prélevables, elle a été réalisée entre 2011 et 2013, en associant l'ensemble des catégories d'usagers à travers notamment les SAGE que j'évoquais tout à l'heure et l'instance de concertation Aude médiane. Et le déficit a été caractérisé à hauteur de 37 millions de mètres cubes sur la période d'étiage, donc qui va pour nous 1er juin au 31 octobre. Donc c'est le plus gros déficit du bassin RMC et de l'arc méditerranéen, essentiellement centré sur les secteurs Aude médiane et Aude aval, avec près de 33 millions de mètres cubes de déficit sur cette partie centrale. Donc il y a la partie la plus, qui comprend le plus de prélèvements, et prélèvements agricoles importants, surtout l'axe Aude jusqu'à la mer. Sachant qu'au niveau des prélèvements, on est sur un total moyen annuel à l'étiage de 100 à 120 millions de mètres cubes, essentiellement pour l'agriculture, hein, qui est l'usage prépondérant, 64% pour l'agriculture, et vient second la navigation, puisqu'on a le canal du Midi qui traverse le département, avec de gros besoins. Et ensuite, l'eau potable et d'autres usages divers. Donc, usage agricole prépondérant à l'étiage sur le bassin versant. Donc, le plan de gestion de la ressource en eau, il a été élaboré suite à l'étude des volumes prélevables et il a été approuvé en comité technique intersage en janvier 2017. Donc, il regroupe 87 actions pour un retour à l'équilibre initialement prévu en 2021. Donc, on n'y est pas, hein, 2021, on n'était pas à l'objectif. L'objectif a été repoussé à 2024, puisqu'on a pas mal d'opérations qui ont pris du temps, alors pour tout un tas de raisons, hein, qu'elles soient administratives, techniques ou financières, ce qui fait qu'on a reculé l'échéance de retour à l'équilibre en 2024 par rapport à ce qui était prévu, donc 2021. Et effectivement, la majorité des actions qui sont prévues dans le plan de gestion concernent l'usage agricole, hein, essentiellement. Alors, il s'agit d'opérations de restructuration, d'amélioration de la gestion, un gros volet gouvernance. Et puis des actions de modernisation des installations d'irrigation, des actions sur les canaux, voilà, pas mal d'actions d'économie qui ont été quand même menées à bon rythme, puisqu'on est aujourd'hui à 90% d'actions réalisées ou en cours, donc essentiellement sur les secteurs les plus déficitaires que sont l'Aude aval et l'Aude médiane. Donc pour un coût total aujourd'hui donc de 36 millions d'investissements pour 24 millions de mètres cubes de résorption. Donc on a fait quand même du chemin, on n'est pas au bout.
Et pour le retour à l'équilibre, on a encore quand même pas mal de volume identifié. Donc vous avez en bas le graphique avec la progression, donc en bleu, le cumul prévisionnel PGRE, donc où on visait 33 millions de mètres cubes d'économie à l'horizon 2021, l'objectif reporté à 2024. Alors, la subtilité, c'est qu'avec les économies qui ont été identifiées dans le PGRE, on n'est pas à l'équilibre. Donc, il manquait 4 millions de mètres cubes pour retrouver l'équilibre. Et donc, une des actions du PGRE vise à mettre en place un système de compensation complémentaire, donc qui vise à déstocker de l'eau depuis des ressources sécurisées qui ont des reliquats de stock. Et la lâcher depuis l'amont pour atteindre le débit d'objectif d'étiage à l'aval. Et donc, c'est cette opération un petit peu que je vais vous présenter par la suite, hein, puisqu'elle elle cristallise pas mal de problématiques, notamment sur les aspects multi-usages. Donc, la compensation, donc, comme je le disais, ça vise à mobiliser des ressources en amont des bassins versants, pour compenser des usages qu'on souhaite optimiser et derrière respecter un débit de gestion, le tout permettant de garantir les possibilités de prélèvement tout en satisfaisant les besoins milieux, réduisant les risques de restriction par arrêtés préfectoraux et sécuriser les usages. Alors, le système de compensation a vocation à intégrer l'ensemble des usages de l'accès réalimentable, alors qu'ils soient agricoles, navigation, eau potable ou autre. Et donc, les contributions de chaque catégorie d'usagers doivent se faire à proportion des volumes prélevés. Donc, on a souhaité garder ce principe-là. Donc, sur la période d'étiage juin-octobre, il y a une répartition de la contribution de chacun à proportion des volumes prélevés. Donc là, que vous avez là, ce sont des moyennes nettes sur les périodes d'étiage, sur l'axe réalimentable. Donc l'axe réalimentable, c'est ce qu'on voit en bleu là, sur la carte, hein. Donc il y a quelques affluents rive gauche, là, donc sur le bassin versant du Fresquel qui arrive dans l'Aude à Carcassonne. On a l'axe Aude qui part des Pyrénées et qui va jusqu'à la mer. Un débit d'objectif, donc en fermeture de bassin, donc au point rouge là, à 4,4 mètres cubes seconde. Donc on est au niveau de l'Aude au-dessus de Narbonne. Là. Et je vous ai fait figurer là, quelques retenues qu'on souhaitait mobiliser avec des reliquats de volume. Alors, toutes les retenues ne sont pas sur la carte. Vous avez les principales qui pourraient être mobilisées dans le cadre de la mise en place du dispositif. Donc, si je pars au sud, là, donc le complexe Matemat, le Puy-Valador, on a des retenues EDF. Donc deux retenues de 10 et 20 millions de mètres cubes avec un reliquat de stock qui pourrait être mobilisé à hauteur de 3 millions de mètres cubes. Sur la partie la plus à l'ouest, on a le barrage de la Ganguise qui fait 44 millions de mètres cubes et sur lequel on pourrait potentiellement mobiliser 5 millions. Et sur la partie montagne noire, là, à la limite du Tarn, on a le barrage de la Prade qui fait 8 millions de mètres cubes et sur lequel on pourrait potentiellement mobiliser 4 millions de mètres cubes. Donc en fait, on aurait un total mobilisable de 12 millions de mètres cubes. Alors ça reste un volume maximal théorique, hein, puisqu'effectivement, ces volumes ne seraient mobilisables que dès lors que les retenues sont remplies au cours de l'hiver. Donc, on n'est pas à l'abri d'avoir des problèmes de remplissage. Et à ce stade-là, les gestionnaires de ressources donc de ces ouvrages-là ont engagé des études pour vérifier le niveau, enfin, les potentialités de mobilisation de ces volumes-là
et préciser les reliquats de volume. Donc en tout cas, à ce stade-là, on est parti sur 12 millions mobilisables sur ces trois ouvrages-là. Quelques retenues complémentaires existent, mais sur des volumes bien moindres. Elles ne sont pas à la hauteur des enjeux, en tout cas, de résorption du déficit. Ce serait plutôt des solutions locales de sécurisation. Donc, comme je disais, ce système de compensation, si je reviens sur la carte avant, il faut avoir en tête qu'on a déjà un système de compensation qui existe depuis le complexe Matmal, puisqu'on a une convention qui a été mise en place à la construction du barrage, donc c'est en 1957, où il est prévu de réserver un volume maximal de 10 millions de mètres cubes pour compenser les prélèvements agricoles à l'aval de Carcassonne, donc sur l'eau de Méliane et l'eau d'aval. Alors cette convention, elle est mise en œuvre chaque année. Donc le volume mobilisé, c'est donc 10 millions, c'est le maximum. Il est ajusté chaque année en fonction du niveau de remplissage au 1er juin. Mais ce volume ne suffit pas en fait. Hein. Donc on a besoin d'avoir des volumes supplémentaires pour atteindre le débit d'objectif, d'où la mise en place de ce système complémentaire qui pour le coup serait payant. C'est un petit peu la révolution qu'on a sur le bassin, c'est qu'on part d'une convention de Matmal en 1957 qui consiste à lâcher de l'eau sur cet critère de débit, mais je dirais gratuitement, puisque l'eau avait été, enfin, le ministère de l'Agriculture avait participé à la construction du barrage et à ce titre-là avait réservé des volumes pour l'usage agricole. Mais les préleveurs aujourd'hui ne paient pas à hauteur des prélèvements. Donc les 4 millions qu'on souhaite mobiliser, donc qui ont été vérifiés par plusieurs simulations, hein, donc cela, il s'accompagnerait d'une contribution financière. Donc 4 millions, ce qu'on voit sur le graphique, donc on a simulé des hypothèses de lâcher depuis ces ressources-là, pour vérifier qu'effectivement les 4 millions ont passé 8 années sur 10, donc c'est le cas. Donc vous avez un exemple sur les lâchés, j'ai pris tous les mois d'août, là, de 2007 à 2018. Le système de compensation ne permet un retour à l'équilibre que s'il s'accompagne des économies, forcément. Donc vous avez en vert le débit, on est sur les moyennes mensuelles mesurées. En bleu, ce sont les économies théoriques à l'issue du PGRE. Et le orange, ce sont les simulations de lâcher qu'on a pu faire depuis les différentes ressources. Donc, plus effectivement, on va faire des économies, moins on aura besoin d'eau sur les lâchers, et l'eau qui est stockée dans les barrages pourra servir éventuellement à d'autres usages ou à sécuriser au-delà de 8 années sur 10. Puisque le niveau de sécurisation, ça a été aussi un élément de débat. Donc nous, on a visé 8 années sur 10. Une des difficultés qu'on a, notamment avec la profession agricole, c'est que dès lors qu'ils s'engagent dans un système pour assurantiel, je dirais, ils souhaitaient une garantie de prélèvement 10 années sur 10, ce qu'on ne peut pas leur garantir, puisqu'effectivement, on est contraint par les aléas de remplissage potentiel des barrages, ce qui fait qu'on a tenu à n'afficher que le 8 années sur 10. Pour autant, avec 4 millions de mètres cubes, même en année de restriction, on va diminuer ces niveaux de restriction justement, et plutôt que de se retrouver avec des situations extrêmes de crise ou d'alerte renforcée, on pourrait rester simplement en alerte et avoir des réductions de prélèvements moins impactantes pour les usages agricoles. En termes d'achat, donc ce que je disais, le dispositif vise à déstocker cette eau, mais du coup à l'acheter auprès des gestionnaires de ressources. Donc mobiliser 4 millions de mètres cubes, donc en intégrant des frais de gestion divers, on arrive en gros à 500 000 euros. 500 000 euros, ce coût, il a vocation à être mutualisé auprès des différentes catégories d'usagers, sur la base donc des assiettes de prélèvement net. Donc là aussi, on part sur le net. On a eu pas mal de discussions au sein des groupes de travail sur
l'assiette à prendre en compte entre le net, le brut, puisqu'on a un système de canaux avec des prélèvements bruts et des retours au milieu. Au final, on est parti sur le prélèvement net. Et donc, on ramène le coût d'achat d'eau à la totalité de ces volumes prélevés. Ce qui fait qu'au final, le coût mutualisé de mobilisation de ces 4 millions de mètres cubes, alors pour la partie agricole, il se traduit par une part fixe de 10,30 € à l'hectare et une part variable qui varie d'un demi centime à 2 centimes du mètre cube. Et pour les autres usages, on est sur un coût global moyen de 0,8 centimes du mètre cube. Alors, j'entends, c'est le coût mutualisé auprès des catégories d'usage et ce n'est pas le coût d'achat. Si on devait effectivement faire payer la compensation qui est en place aujourd'hui depuis les barrages EDF, on ne serait pas du tout sur ces ordres de grandeur, on serait plutôt sur 8 à 10 centimes du mètre cube auprès des usagers. Là, le fait que ce soit des montants très faibles, c'est parce qu'en fait, on va chercher simplement le reliquat de volume qui nous permet d'atteindre le débit d'objectif. Alors, ça permet d'atteindre le débit d'objectif, mais on ne crée pas un droit à prélever supplémentaire. Ça, c'est quelque chose aussi que certains acteurs du bassin ont eu du mal à comprendre. Mais en fait, c'est l'objet du PGRE, c'est atteindre l'équilibre. Voilà. Donc, ce n'est pas favoriser les développements nouveaux. Par contre, si on est à l'équilibre et qu'on a encore des reliquats de stock, rien n'empêche effectivement, sous réserve qu'on garantisse des réserves interannuelles sur chaque barrage, rien n'empêche de développer de nouveaux usages à l'échelle de l'axe réalimentable. Alors, en termes de perspective, donc le sujet est éminemment sensible et donc ça fait 3 ans quand même qu'on discute sur le sujet, qu'on fait des simulations un petit peu dans tous les sens, et on a encore du mal aujourd'hui à faire adhérer l'ensemble des catégories d'usagers. On a eu beaucoup de difficultés au départ à mobiliser l'agriculture, mais bon, ce sont les principaux usagers, donc ça devait être les principaux contributeurs. Aujourd'hui, donc, ils sont prêts à y aller. Dans l'ensemble, je dirais, il y a encore des petits points, des petits freins à lever, mais ils sont globalement prêts à y aller. Au niveau de la navigation, donc, eux sont prêts aussi à y aller. Et on a des difficultés pour faire adhérer les acteurs de l'eau potable aujourd'hui. Donc, il y a encore des discussions en cours avec eux, sachant qu'un des risques, c'est que la profession agricole, notamment, ne vienne pas sur le dispositif dès lors que tous les usagers n'y participent pas. Voilà. Donc, on est encore à discuter des modalités de mise en œuvre du système. Donc, c'est un système, finalement, on tarde à le mettre en œuvre et en tardant à mettre en œuvre le système de compensation, certains préleveurs prennent les choses en main pour leur compte et on a des ASA qui viennent en ordre dispersé, conventionnés avec les gestionnaires de ressources, donc hors d'un système mutualisé solidaire, et eux sont prêts à mettre le prix fort pour, je dirais, s'assurer une compensation pour leurs usages propres. Alors pour le coup, ils ne sont pas sur des systèmes mutualisés. Eux, ils paient le prix fort en fait au mètre cube, mais on est dans un contexte de tension tel que certains sont prêts maintenant à mettre le prix, enfin, pour aller chercher de l'eau et pour assurer leur activité. Alors, on a aussi dans ces usages-là des nouveaux périmètres irrigués. Comme on est en situation de tension sur la ressource et ZRE, les nouveaux prélèvements doivent être compensés. Et donc, c'est là aussi, on a des usagers, notamment agricoles, qui viennent directement voir EDF ou d'autres gestionnaires de ressources pour aller acheter de l'eau et assurer l'alimentation de leur nouveau périmètre irrigué. Et ces nouveaux besoins, ils viennent gréver les reliquats de volume qu'on avait de disponibles pour le système de compensation. Donc on voit que petit à petit, les fameux 12 millions de théoriques qu'on avait, ils commencent à fondre parce qu'on tarde à arriver à mettre en place tout ça.
Sachant que ce que je n'ai pas dit, c'est que sur un des ouvrages, en plus, on a une problématique interdistrict. On a un ouvrage qui est l'ouvrage de la Ganguise, qui est tout à l'ouest du département. En fait, il est sur le bassin d'Ourgaone. Il est alimenté depuis des ressources à Dour-Garonne par des conduites de transfert et par une partie de la ressource Montagne-Noire, donc côté RMC. Donc on est sur une problématique interdistrict avec une ressource qui est scrutée de près, puisque tout côté Adour-Garonne, on a de gros déficits sur la Garonne. Et donc, certains verraient de bon œil de mobiliser ces volumes-là pour les ramener côté Garonne. Donc, on a des tensions sur cette ressource-là, des incertitudes sur les volumes, notamment avec l'intensification des étiages en contexte de changement climatique. Donc on aura besoin de plus en plus de volume de compensation si on n'a pas d'économie nouvelle et avec des potentielles difficultés pour remplir ces retenues en fonction de l'évolution de l'hydrologie. On a aussi sur le bassin une forte pression pour créer de nouvelles ressources. Alors ce qu'on a toujours dit nous au niveau du SMAR, c'est que de la ressource, aujourd'hui, on en a, donc faisons en sorte de la mobiliser, donc avec les reliquats de stock, avant d'aller créer de la ressource ailleurs. Pour autant, quand on parle système de compensation, on parle axe réalimentable. Effectivement, on a certains secteurs du bassin qui ne sont pas sécurisés par des ressources type barrage, et sur lesquels, effectivement, il faut mener des réflexions de création de ressources et d'interconnexion et de mobilisation de ressources nouvelles. Derrière, sur ces ouvrages-là, on a des enjeux multi-usages avec des problématiques de défense incendie côte canadaire, ce qui limite les marnages. Idem pour des projets de base de loisirs qui finalement consistent à créer une espèce de côte touristique qui pose problème derrière pour déstocker de l'eau, puisqu'effectivement, il faut maintenir cette côte pour le tourisme et les usagers de loisirs. On a des problématiques de production hydroélectrique sur les ouvrages EDF qui tendent à limiter le volume disponible pour le multi-usage et pour l'agriculture. Une problématique de besoins spécifiques pour les sports de ville sur la Haute-Vallée. Voilà, donc tout ça, on a des... tout un tas d'acteurs et de catégories d'usagers qui visent ces ressources-là avec chacune des leurs propres contraintes et leurs souhaits particuliers de modalités de gestion. Sachant que derrière aussi, on a des enjeux milieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur l'axe Aude, et notamment l'Aude amont, on a des problématiques d'éclusées liées au lâcher d'eau, notamment hydroélectrique, mais pas que, aussi les lâchers agricoles et sports d'eau vive posent des soucis, et aller mobiliser des ressources supplémentaires pourrait aggraver en plus ce phénomène. Donc ça veut dire qu'on est aussi contraint de prendre ce sujet à main, et donc on a une étude en cours sur la problématique éclusée qui vient complexifier la gestion globale de ces lâchers. Voilà, donc j'en ai terminé. Je suis allé assez vite. Donc s'il y a des questions, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé, en effet, qui montre toute la complexité de mettre en œuvre un système mutualisé pour répondre à ces enjeux et toutes les difficultés d'acceptabilité à ce niveau-là. On a eu quelques questions dans le chat, mais on est un peu pressé par le temps. Et donc, ce que je vais vous proposer, Philippe, si vous l'acceptez, c'est de voir lesquelles vous pourriez répondre dans le chat directement par écrit, afin qu'on puisse un peu rattraper le petit retard qu'on a pris. On a environ 20 minutes de retard sur le timing initial. On va tenter de contenir ce temps. Donc, merci encore, Philippe. Je vais redonner la parole à Sarah pour faire la transition avec François, qui d'ailleurs, c'est vous, Philippe, qui faites la bonne transition sur cette notion de conflit d'usage avec la présentation de François Bafoual. Oui, tout à fait, William, puisqu'on là, on va aussi parler de conflit d'usage autour de l'eau. Et donc, François Bafoual, qui est directeur de recherche émérite au CNRS, série Sciences Po,
va nous présenter une étude qui a été réalisée pour la Caisse des dépôts. Donc, je vous laisse la parole, François. Est-ce que vous savez, vous pouvez présenter, projeter votre support, vous souhaitez qu'on le fasse? Oui, oui, vous m'entendez. Oui, oui, on s'est entendu avec William. C'est William qui a la main. OK, super. Voilà, je vais essayer de respecter le temps qui m'est imparti, c'est-à-dire 20 minutes. J'attends. Alors, un instant. Alors, je vais en parler pendant que ça s'installe. Oui, démarrer, ça arrive. D'accord, c'est une étude qui s'inscrit dans l'Institut de la recherche de la Caisse des dépôts, qui est dirigée par Isabelle, qui est là. Et donc, je vais présenter les grands attendus de l'étude et puis venir très vite, effectivement, sur la problématique des enjeux en rappelant ce qu'il en est au niveau de l'eau et principalement au niveau de l'agriculture. Donc, ça s'inscrit dans la foulée du précédent intervenant. Et puis, je passerai rapidement sur la théorie, enfin, qu'est-ce qu'on entend par conflit d'usage, et puis je me concentrerai sur deux conflits. Un qui est celui des bassines, et que j'ai pu avoir l'occasion de suivre en Charente, et puis l'autre qui est en Camargue, voilà, on y est, et qui est non pas autour des bassines, mais autour des grandes propriétés. Voilà, bon, j'ai le plan terrain et objectif de l'étude, les enjeux, la théorie, puis les deux cas, voilà, et j'insisterai sur le rôle des chasseurs. Voilà, William, merci. La prochaine slide. Voilà, donc à gauche, donc c'est une carte assez connue de l'avancée ou du recul du trait de côte, mais le problème n'est pas là. C'est à droite, vous avez les grandes lignes de cette étude qui traite, un, de la submersion et de l'érosion sur les territoires littoraux, dans les territoires de Baie-de-Somme au nord, Nord-Aquitaine, La Rochelle-Rochefort, et puis Méditerranée-Est. Le second point, c'est l'inondation avec les marais, une comparaison des marais de Brouage du côté de Rochefort et de Camargue, mais j'insisterai sur Camargue tout à l'heure, et l'analyse de ce qui s'est passé dans les vallées de la Vésubie et de la Roya avec la tempête Alix, et puis les métropoles sur lesquelles, sont dans les territoires que j'ai indiqués, Saint-Valery-sur-Somme, La Rochelle, Rochefort, Niscan, etc. Et le troisième point, donc submersion, érosion, inondation et sécheresse. Et là, la problématique de l'agriculture, des bassines qu'on retrouve en Charente-Maritime, dans l'Adour, dans le précédent intervenant, et puis qui pose la question du bâti et des fissures, etc. Mais sur cela, je ne m'étendrai pas. Avec quatre problématiques donc, qui sont celles de cette étude. La première, c'est un peu l'état de la connaissance. Qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on ignore finalement du cumul des phénomènes naturels, puisque même si l'État divise ou sépare submersion et érosion, cela se passe souvent en même temps. Quels sont les instruments de mesure, les indicateurs, les risques, les besoins financiers? Le deuxième aspect de cette recherche se penche sur, c'est peut-être le plus important, qu'est-ce qu'il faut faire finalement face à ces phénomènes? Est-ce qu'il faut protéger à tout prix ou laisser passer? En d'autres termes, est-ce qu'il faut défendre ou reculer? Et là, on est dans les conflits d'usage, puisque voilà, les intérêts sont extrêmement variés, les usages sont variés, ils sont variés en fonction de savoir si l'on érige des digues supplémentaires ou plus élevées, ou si on laisse couler l'eau. La troisième problématique qui traverse cette étude, c'est quelles sont les modalités d'action collective de l'ordre des municipalités, des intercommunalités, avec la GEMAPI, les PAPI, et puis les conflits entre groupes professionnels. Et la quatrième dimension de cette étude, c'est le niveau de l'acceptation sociale et plus exactement ce que l'on appelle la culture du risque, avec l'interrogation sur quelle est la mémoire des aléas, quelle transmission et quelle politique d'information et d'association des citoyens à cette politique. Comme vous voyez, c'est une très grosse étude. Merci William. Donc, les enjeux. J'ai repris trois items que j'ai tirés de mes entretiens. Le premier avec le sénateur Le Dantec, qui a écrit avec son collègue Roux un excellent rapport sur l'eau et qui me disait « La guerre de l'eau en France, c'est un mort à Sivens. Si on ne trouve pas les espaces de dialogue par rapport à l'adaptation, on va vers des conflits d'usage très importants. L'émotionnel de l'eau, c'est décisif et sans eau, il n'y a plus rien. Les niveaux d'eau des marais,
ça se joue entre les chasseurs, les agriculteurs, les plaisanciers et encore d'autres. Donc, c'est sur ça que toutes les, enfin, non, qu'une partie de l'étude porte. Et les besoins de chacun sont foncièrement opposés aux autres. Voilà. Donc, ça veut dire que chacun se sent légitime, effectivement, à user de l'eau comme il l'entend. C'est un peu ce que présupposait d'ailleurs l'intervenant précédent sur l'Adour. Et c'est à l'État, voilà, c'est à l'État de fixer, pardon pour le doigt, c'est de fixer les bases de la méthode pour le compromis. Ce n'est pas seulement le cœur du politique, c'est aussi le cœur d'une société traversée de tensions antagoniques, soit en innove, soit en exacerbe les oppositions. Je mentionnerai tout à l'heure les dernières nouvelles en ce qui concerne la politique de l'agriculture en lien avec ce qui se passe en Ukraine pour comprendre qu'effectivement les oppositions risquent d'être terriblement aiguisé. L'autre, c'est Benoît Biteau, que vous connaissez peut-être, qui est paysan dans la Charente-Maritime, qui est député européen vert, qui est accessoirement, c'est très utile, diplômé de l'agro, donc il connaît très très bien sa partie. Et il me disait, je dis clairement que si on met ça sur le changement climatique, on se trompe, on a fait un choix de développement agricole qui a conduit à supprimer les espaces ruraux qui géraient les eaux. C'est la faute des agriculteurs, donc il est vraiment très direct, et de leur logique productiviste. Ce n'est pas la faute du climat, pas parce qu'il n'y a pas de bassines, c'est la faute des activités qui datent des 50 dernières années. On a des arrivées d'eau quand ce n'est pas forcément souhaitable. Il y a 50 ans, le temps de concentration était de 7 jours. Autrement dit, quand l'eau tombait à Saujon, pour rejoindre l'écluse et la mer, il lui fallait 7 jours. Maintenant, cela se fait en 7 heures. Autrement dit, c'est les autoroutes et l'artificialisation des terres qui a conduit à cette... pour des usages voilà, qui sont ceux dont je traiterai, qui ont conduit à cela. Et un élu de Charente qui dit « Une fois l'eau stockée, qu'en fait-on? Pour qui? Pourquoi ?» Il n'est pas raisonnable que cette eau soit mobilisée par deux ou trois agriculteurs et donc il faut organiser le partage de l'eau, il faut se mettre autour de la table. Donc voilà, c'est ça les enjeux finalement, ils sont clairement énoncés, des usages qui sont irréductibles entre différents professionnels, des conflits qui sont extrêmement aigus, des visions de l'agriculture ou des visions de l'activité qui sont radicalement opposées et des inégalités finalement, et des inégalités qui résultent de cet usage ou qui est une appropriation de l'eau par certains, aux dépens des autres. Merci William. La théorie, très rapidement, je m'appuie sur le rapport Tufnel qui est un autre rapport écrit par la députée Tufnel qui est extrêmement intéressant, je vous le conseille de lire, qui est sur notre sujet, les usages de l'eau, les conflits, etc. et qui, dans une première partie, énonce la théorie dont je me suis permis de l'apprendre. Finalement, elle reprend ce qui est courant dans les écrits, mais c'est bien repris. Donc, le conflit, et elle souligne bien là ce que je veux aussi souligner, c'est chacun se croit habilité à faire valoir son propre droit d'usage à l'encontre d'autrui. Et ce qui génère donc des conflits qui mettent en jeu des intérêts variés et légitimes. Voilà, on a finalement le cadre qui est fixé. Un conflit d'usage porte tour à tour ou de matière cumulative sur la gestion, l'appropriation, l'exploitation, l'altération ou la destruction d'une ressource, d'un milieu ou encore d'un service. Voilà. Et elle poursuit, pour chaque conflit d'usage, il est nécessaire d'identifier l'usage qui est fait ou souhaité de la ressource, d'identifier, etc., les points de blocage, voilà. Et je ne vais pas plus loin, mais pour dire qu'effectivement, il faut des instances de régulation, il faut s'asseoir autour de la table et décider, et on verra ce qu'il en est de cette possibilité de négocier et de parvenir à un consensus. Je me centre sur le conflit des bassines que l'on retrouve en Charente-Maritime, dans le Nord, dans l'Est, dans l'Adour aussi, dont on vient de parler, où c'est extrêmement brûlant, ces conflits. Et finalement, donc, je l'ai repris là, je me penche sur le conflit qui a lieu en Charente et en Charente-Maritime sur ce qu'on appelle les bassines. Hein, vous avez un exemple sur la photo, là, ces immenses réservoirs, effectivement, d'eau. Et dans l'exemple que j'ai tiré là pour le coup du rapport Tufnel, 19 retenues d'eau sur le territoire à destination de 236 exploitations irrigantes, ce qui est très peu, versus le groupe des écologistes et du voisinage. Voilà, un contexte extrêmement tendu de sécheresse estivale récurrente. Madame Aziza en a parlé au tout début, dans la première intervention. Estivale récurrente et d'intensification des changements climatiques. Donc, un conflit qui oppose pratiques agricoles intensives et usages sociaux respectueux de l'environnement.
Et là, le décor est traité. Effectivement, on a deux pratiques, mais dont je vais essayer de montrer quels sont les référents, finalement, dans le discours des acteurs et quels sont les horizons, finalement, mentaux, si on peut dire, ou psychiques. Voilà. Et un état des lieux partagé doit prévaloir. Donc, voilà, c'est ça, c'est l'aspect normatif, effectivement, de la régulation des conflits. On peut passer à la slide suivante, William, s'il vous plaît. Voilà. Et là, j'en rentre dans les entretiens que j'ai pu conduire avec les uns et avec les autres. Donc, FNSEA, c'était la Chambre d'agriculture et à la Chambre d'agriculture d'Angoulême et la direction de la FNSEA. Et à droite, la liste agribio, c'était Benoît Biteau et puis ceux qui l'entouraient dans la discussion. Donc, c'est intéressant de voir que les arguments des uns et des autres sont parfois s'alimentent aux mêmes références et sont totalement opposés. Les arguments disons de l'agriculture type FNSEA, dite productiviste, c'est la souveraineté alimentaire et la mission nationale de défense des paysans. Et à l'opposé, c'est défense de l'environnement et du cadre de vie en respectant au maximum les différents sites naturels. Et là, l'opposition, elle est complètement tranchée et à partir de là, les usages sont complètement tranchés. Et ce que je disais tout à l'heure, avec cette réaffirmation soutenue par les autorités centrales, en raison notamment de la guerre en Ukraine qui vient de se déclarer, la réaffirmation de la souveraineté est un fait maintenant majeur, avec tout ce que cela enclenche au niveau de ce qui avait pu être atteint et qui est maintenant suspendu en termes de pesticides, en termes d'assolement, etc. Et on voit bien que sous cette raison qui est tout à fait légitime, la souveraineté alimentaire, finalement, tout un ensemble de pratiques va en découler et on peut craindre des conflits extrêmement aigus sur ce sujet-là qui nous intéresse. Le deuxième argument, c'est l'aménagement de la ressource passe par… Voilà. Et là, on est au cœur de l'argumentaire. De la ressource passe par le stockage de la ressource dans de vastes bassines, ce qui implique le détournement de l'eau, à savoir l'espace, et sa conservation dans le temps pour quelques agriculteurs. Voilà. Et c'est sur ce point-là, finalement, que s'opposent les agriculteurs bio, et on le verra tout à l'heure, parce qu'ils découplent justement cette notion d'espace et de temps. Je reviens à la FNSEA, respect des normes environnementales en lien avec les prescriptions européennes, ce qui est un fait, puisqu'effectivement, ils sont soumis de plus en plus à des prescriptions européennes, mais en même temps, bon, dans le discours, ils les dénoncent toujours comme contraignantes, hyper bureaucratiques, etc. À l'opposé, volonté de transformer les pratiques agricoles, le bio et l'arrêt des activités polluantes. La slide suivante, qui porte sur l'espace et le temps, voilà, qui sont vraiment les deux références majeures totalement opposées. Je reprends le discours que me tenait l'interlocuteur de la FNSEA, le patron de la FNSEA. Le stockage, il est inéluctable en raison du stress hydrique et on ne peut pas fournir l'eau à l'agriculture. Pour cette raison, il faut déconnecter l'usage de l'eau du moment où l'on prélève, du moment où on l'utilise. Il faut donc gérer le temps et l'espace et combiner les dynamiques espace. On déplace l'eau, temps, on l'utilise quand elle n'est pas là, nécessaire, quand elle n'est pas nécessairement, et quand elle est là, on ne l'utilise pas nécessairement. Et donc, les cultures en référence, finalement, c'est le maïs, c'est les grandes cultures très demandeuses en eau. Voilà. Et l'argument aussi, c'est que favoriser les grandes bassines, c'est favoriser, et les vastes systèmes d'irrigation, c'est un gage pour l'emploi, puisque ça favorise le maïs, etc. etc. Ce à quoi les bio répondent, c'est contre-intuitif comme raisonnement, finalement, et c'est ce que Mme Aziza expliquait au début, il y a une déconnexion sur laquelle la FNSEA finalement fait l'impasse. Il y a une déconnexion temporelle, car les moments de pompage et de remplissage, pluviométrie, ne se succèdent pas nécessairement. Hein. On peut avoir des moments d'accélération et des moments de rupture. Par ailleurs, il y a des temps de latence très importants qui font que les nappes, parfois, ne peuvent retrouver leur étiage qu'au bout de quelques années. Donc, pomper à ce niveau-là est effectivement très négatif ou peut s'avérer très négatif. S'y ajoute une déconnexion spatiale, car les nappes ne se rechargent pas nécessairement où il y en a le plus besoin et où elle est pompée. Et par ailleurs, les zones à fort déséquilibre, comme Biteau le disait, sont souvent corrélées aux zones à fort prélèvement. Et en regard de l'argument qui est celui de la défense de l'emploi par ce type d'agriculture précédent, les bio opposent, le système des bassines ne profite qu'à une minorité, souvent inférieure à 10%,
pour une agriculture intensive et polluante. Voilà, le décor est dressé. La prochaine slide. Alors, on pourrait effectivement, et c'est ce que beaucoup, et pas seulement les agriculteurs défenseurs du bio avancent, il faut en revenir aux priorités du Code de l'environnement et à partir de cette hiérarchisation que le Code a fait, s'en tenir et distribuer l'eau en fonction. Un, la priorité, c'est l'alimentation en eau potable et la qualité. Deux, le maintien en état des lieux selon la logique de bon état écologique du domaine. Trois, viennent alors les activités économiques, l'irrigation, l'agriculture. Et quatre, en dernier lieu, les usages de loisirs, pêche, plaisanciers, etc. Et si l'on pouvait suivre effectivement cette hiérarchie des priorités de l'usage de l'eau et de la distribution de l'eau et de la consommation de l'eau, sans doute calmerait-on sans doute les conflits.